Alors, pour commencer une activité, bien sûr, d'écriture, il est nécessaire toujours de commencer par une activité de motricité en ce qui concerne les doigts des petits mômes, environ 5 minutes. Alors, pour donner, bien sûr, une très bonne flexibilité pour les mains. Alors, la première des choses, on frotte les mains. Frotte les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fort, fort, fort. Frotte les mains fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Alors, la fermeture et l'ouverture des mains maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Bien, maintenant on va jouer le piano, hein, le jeu de piano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Très bien. On passe maintenant. Alors, on va échanger le contact entre le pouce et l'index. Alors, on commence en haut. En haut maintenant. En haut. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En bas maintenant. En bas. Hein, sens contraire. En bas. Doucement. 1, 2, 3, très bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, on prend maintenant un crayon. Hein, prends un crayon. Alors, on fait tourner. Alors, fais tourner le crayon en avant. En avant. Très bien. 1, 2, 3. Tu tournes, tu tournes. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En arrière maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien, merci. Très bien. Donc, après l'activité de motricité, on passe bien sûr à l'écriture de la lettre A en commençant par les rangs. Très bien. Alors, on commence à écrire le rang. Vas-y. Alors, le rang, on commence à écrire le rang du haut en bas. De droite à gauche. Très bien. Très bien. Du haut en bas, de droite à gauche. Du haut en bas, de droite à gauche. Très bien. Et ainsi de suite. Très bien. Les rangs comme ça. Alors on montre aux élèves d'écrire les rangs sur les ardoises. Bien sûr, de haut en bas et de droite à gauche. Très bien. Bien, on passe maintenant à tracer ou bien à dessiner les pics. Alors on dessine les pics. Vas-y, les pics. Alors de droite à gauche, en haut, vers et on descend. Très bien. On monte et on descend. On monte et on descend. Très bien. Et ainsi de suite. Voilà. Très bien. Voilà. On trace bien sûr les pics. Et puis on fait bien sûr. On doit écrire bien sûr entre les rangs et les pics, on trace le A, ou bien la lettre A. Vas-y, on trace. Alors on fait doucement. Alors du haut, on trace le rang. Très bien. Le pic. Très bien. Et on descend. Très bien. Alors on trace le rang. Très bien. Le pic. Et on descend. Très bien. Et une autre fois, bien sûr, le rang, le pic. Et on descend. Très bien. Alors, il faut faire attention que, bien sûr, la patte de A, hein, c'est antipédagogique. Là, il faut écrire A sans patte. D'accord? Quand vous voyez, il faut écrire, bien sûr, le A, hein, sans, bien sûr, la patte. Merci. Bien. L'étape suivante, c'est de tracer, bien sûr, la lettre A à l'aide, bien sûr, des carreaux et des points. À l'aide des carreaux et des points. Alors, quand vous voyez, il y a
le point rouge, vert et les trois points noirs. Alors, le côté droit, deux points, côté en haut, en bas et à gauche, il y a les points noirs. Alors, on commence, bien sûr, à tracer la lettre A, hein, en commençant par le point rouge. Vas-y. Bien. Très bien. Bien sûr, on touche les côtés. On fait le rond et puis le pic. Très bien. Une autre fois. Alors, on fait le rond. On touche, bien sûr, les points noirs des côtés. On fait le pic. Bien. On passe maintenant les deux points seulement. Le point rouge et le point vert. Voilà, allez-y. Très bien. Alors, on touche maintenant les côtés. Hein, supposons bien sûr qu'il y a des points noirs. On monte et on fait le pic. Très bien. Maintenant, avec un seul point, hein, c'est-à-dire le point de départ. Vas-y. Alors, on écrit, ou bien on fait le rond, on touche les côtés de notre carré, le rond et le pic. Très bien. Maintenant, on va écrire bien sûr le A sans point. Hein? Supposons bien sûr qu'il y a, hein, c'est pas grave, qu'il y a des points. On descend, fait le rond, on monte, on descend, fait le pic, et voilà le A. Très bien. Alors comme ça, on arrive à écrire bien sûr les A. Alors, la dernière étape, c'est d'écrire, bien sûr, la lettre A sur notre cahier où il y a, bien sûr, les lignes et les interlignes. Alors, tu commences. Bien sûr, il ne faut pas dépasser la première interligne. On fait le rond, comme d'habitude, et le pic. Très bien. Alors, on fait le rond et le pic. Très bien. On fait le rond. Et le pic. Et voilà, nous sommes arrivés à, bien sûr, à tracer la lettre A en cursive. Et merci pour votre attention.